Alors ici Botrax pour radioh2o.ca. Et on va faire une petite recette de jus d'ananas avec un petit peu de coriandre. Alors, c'est une recette qui m'a été suggérée par Femme Lèvre, ma co-animatrice sur Deux Gars, une Fille. Alors, j'ai déjà préparé mon ananas, un petit ananas, comme on peut voir ici, un petit. Et j'ai pas pris la peine de d'éplucher parce qu'on peut voir qu'il y a quand même quelque chose qui se passe dans la pleure. Alors, sûrement qu'on a des bons éléments à manger dans la peau encore. Donc, j'ai tranché mon ananas pour faire des tranches de l'extérieur et des tranches plus molles et des tranches plus dures avec le cœur. Donc, parce qu'on va passer les éléments plus mous et ensuite, on va passer les éléments plus durs dans la machine Omega VRT 350 à cause de sa construction et la façon que la machine est faite. Donc, voici mon premier essai de jus d'ananas que j'ai jamais fait. Alors, c'est ma première fois. On a de la pulpe ici. J'ai un petit peu de pulpe d'un autre jus que j'ai fait auparavant. En fait, un jus de raisin et de pomme jaune. C'est l'excellence même. Donc, on continue à mettre l'ananas. Un petit peu trop gros, il rentre pas dans la machine. On va le couper en deux encore une fois. Ok. Je me suis un petit peu mal pris pour ce morceau-là. Donc on va alterner mou dur. J'ai encore du dur. Oh! Du dur ici. Bon là, la coriandre, j'ai aucune idée de la quantité. Donc on va l'insérer là-dedans. Et on va le pousser avec l'ananas. Alors, on va mettre, et voilà, comme ça. Et ça descend tout seul. Donc, vous voyez, là, la façon que je le prépare, je le coupe en deux, je garde le cœur séparé du côté plus mou. Je le coupe en petits morceaux. L'ouverture du VRT 350 n'est pas très énorme. On voit ici le jus vert de la coriandre qui sort finalement. Alors on va mettre un petit peu de dur. J'entendais pas la machine prendre le morceau, donc je pensais que le morceau ne descendait pas, mais la machine fonctionnait très bien. Alors, un couteau qui coupe bien est de mise. Oh, là j'ai perdu un morceau dans ma, dans ma soucoupe de jus. Ouais, on met ça là-dedans. Un petit peu de coriandre encore. Ça devrait faire du bon jus d'ananas. J'aime beaucoup le jus d'ananas. Donc, ça devrait être excellent. Alors là, j'ai tout coupé. Tout est prêt. Un petit ananas. Pas terreau, comme on a vu. Là, je mets du mou. Puis il me reste deux cœurs. Donc je vais mettre mes deux mous. Et je vais finir avec mes parties plus dures pour faire passer les éléments plus mous plus facilement. Donc on laisse travailler un petit peu et je vais récupérer mon verre ici. Et là, on se retrouve avec un petit ananas. On va nous faire deux tasses et demi. Deux tasses et demi avec un petit ananas.
de jus d'ananas. 2 tasses et demie de jus d'ananas. C'est excellent. Alors, la coriandre fait que c'est très vert. On va brasser le tout. Et voilà. Et on va essayer notre jus d'ananas. Vous voyez ici, 2 tasses et demie, là, si jamais égal, hein, plus que 2 tasses et demie. Donc, on va essayer ce jus d'ananas. Le jus est très vert, mais sûrement que l'ananas va goûter plus que la coriandre. C'est bon. Ah! Avec la coriandre, on dirait que ça réduit l'intensité du jus d'ananas. Mais c'est excellent, c'est... Wow! Faites-vous du jus d'ananas. Du jus d'ananas, faites-vous-en. Avec une machine à jus, comme la Omega VRT 350. C'est... Fantastique.